Bonjour, on m'entend bien, c'est bon. Donc le thème abordé, c'est Dev et Admin 6, une cohabitation simplifiée. Alors on dit simplifiée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on part du postulat qu'elle est peut-être un petit peu complexe et qu'il y a forcément des choses qui peuvent être améliorées. Donc je me présente, je suis Sébastien Lucas, je suis le directeur associé d'Oxalid. On est un infogéreur hébergeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend en compte, on prend en charge la gestion de l'infrastructure de nos clients qui sont autour du web de façon générale et de l'open source en particulier. Les clients, pour donner quelques exemples, c'est France Télévisions, L'Express, 20 Minutes, Alinea, Kiloutous, e-commerce, Média et Pure Player. Notre leitmotiv, c'est de monter assez haut dans les couches applicatives, même si on n'est pas développeur. Donc on se rapproche au plus proche du besoin du développeur, donc ça peut créer certaines frictions avec le développeur, puisqu'on vient un petit peu regarder ce qu'il fait. Pour cela, normalement, je fais cette présentation avec un binôme développeur qui est Nicolas Silberman, qui est le directeur technique de Mediapart, qui est aussi un de mes clients, qui n'a pas voulu venir, il n'a pas pu venir. Donc c'est la première étape de la simplification, c'est-à-dire vous éliminez votre développeur, il n'y a plus de bugs et donc il n'y a plus de problèmes. Donc voilà, donc merci Nicolas, mais bon, il a eu un petit impératif personnel. Alors, avec Nicolas, on a eu quelques années de collaboration et on a commencé à travailler ensemble sur 20minutes.fr en 2007 et puis on s'est un petit peu suivi. On a eu beaucoup de projets à gérer, de migration, de mise à jour, avec des environnements qui étaient spécifiques et difficiles et où la bonne cohabitation entre un développeur et un admin 6 était plus que nécessaire. Voilà. Donc on est parti de notre expérience par rapport à cela. Donc comme je suis un admin et que je suis dans l'univers PHP et que d'habitude l'audience est plutôt teintée développeur qu'admin, j'aurais bien aimé savoir qui parmi vous est développeur ou développeuse. Ah ouais. Qui parmi vous est admin 6? Vous avez vu, on n'est pas... C'est des admin 6 éveillés parce qu'ils sont au milieu des développeurs. Et qui fait les deux? Ah, il y en a quand même quelques-uns. À peu près les deux. On va y revenir par la suite. D'accord, ok. Bon, comme ça, au moins, j'ai un peu un ordre d'idée. En gros, je vais me faire lyncher. Donc, on va partir dans une première étape, ce qu'on appelle les stéréotypes. Je ne suis pas le seul à avoir choisi les images. Aujourd'hui, nous, Admin 6, on voit le développeur dit de base comme une personne qui est là pour avancer sur la partie fonctionnelle. Il a une approche projet, il est là pour développer un logiciel, il est là pour rajouter des fonctionnalités. Et il n'a pas forcément conscience de la performance. On le voit à travers un regard, ou même souvent des phrases, qui sont un peu stéréotypées. Je vais vous en citer une, ne serait-ce que pour l'illustrer. C'est par exemple, voilà, bon écoute, moi je sais comment ça marche, chez moi ça marche, est-ce que tu peux rajouter un gig de memory limit sur mon php.ini? T'inquiète pas, avec ça, ça va marcher, c'est la bonne solution. Donc voilà, donc nous, pour nous, admin, c'est une des façons, je dis pas, c'est un stéréotype, l'objectif c'est de poser les bases, mais de la façon dont on perçoit un développeur. Alors effectivement, comme il a une approche projet et qu'il ne voit qu'une seule chose dans l'infra, c'est si ça marche ou si ça marche pas, pour lui, la réponse est presque uniforme et souvent dédouanante de dire, voilà, c'est la faute de l'hébergeur ou de l'admin 6. Là encore, c'est réducteur, mais c'est des choses qui, il y a encore quelques années, étaient presque systématiques. Et il a fallu attendre une certaine maturité, en tout cas sur le marché du web, pour sortir un petit peu de ce stéréotype-là et partir sur des bases différentes. De l'autre côté, on en a aussi pour nous, le rôle d'administrateur, lui, il est là. Il est là pour le run. Sa contrainte, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ça fonctionne tout le temps, en permanence et correctement. Le problème là-dedans, c'est que pour que ça fonctionne tout le temps, en permanence et correctement, il doit veiller sur une chaîne, et dans cette chaîne-là, il y a un maillon qui est celui du développeur, qui est donc l'applicatif. Or, il a tendance à pouvoir maîtriser entièrement sa chaîne, sauf celle du développeur. Ainsi, il est perçu, entre guillemets, comme uniquement quelqu'un qui redémarre des services ou qui n'est là que pour opérer quand il y a des problèmes. Mais en fait, il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Et quand il vous dit non, c'est souvent que ça a du sens. Donc, l'admin 6 aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait auparavant,
L'objectif, c'était de gérer des mainframes. On était dans un environnement très industrialisé, où finalement toutes les procédures, ce fameux cahier d'exploitation qui permet, en cas de problème, j'ai un problème donné, j'active tel bouton, eh bien ça fonctionne. C'est quelque chose sur l'informatique dite old school, je vais mettre des doubles côtes. Ça a du sens, mais aujourd'hui, par rapport à gérer un environnement web sur lequel on est dans un univers très changeant, avec des technologies qui peuvent être radicalement différentes d'une année sur l'autre, je dis bien d'une année sur l'autre, des fois ça peut même être des mois, eh bien il a besoin de s'adapter et la procédure stockée, entre guillemets, ne fonctionne pas. La réponse à un problème, une solution, n'est pas forcément claire et il a besoin de l'analyser et de l'avoir avec les développeurs. C'est aussi différent de ce qu'on appelle gérer une plateforme web à fort trafic. Aujourd'hui, la double contrainte de l'univers du web, c'est contrairement à une DSI classique qui, quand elle installe sa compta, elle ne va pas y toucher pendant 3 ans, ou à la rigueur faire quelques patchs de l'éditeur, et le nombre d'utilisateurs peut être multiplié par 2, grand maximum, pendant 3 ans. Sur le web, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a des développeurs qui vont jusqu'à faire 6 à 7 releases, voire 10 par jour. Donc on déploie un nouvel applicatif presque 1000 fois plus que dans un environnement corpo. Et en même temps, on doit gérer un trafic qui n'est pas de 1 à 2, mais qui peut être de 1 fois 10 000 du jour au lendemain, voire même d'une heure sur l'autre. Et donc les contraintes sont excessivement fortes et excessivement difficiles. Et aujourd'hui, le métier d'admin sys a besoin d'évoluer, à ne plus être juste j'applique un cahier d'exploit, mais je travaille main dans la main avec les développeurs pour justement adresser ces problématiques-là. Excusez-moi, j'ai une transition. Donc nos objectifs, ce qu'on nous demande, c'est souvent on nous dit, nous on reçoit des cahiers des charges, le développeur il arrive, il a son super projet qui arrive et il nous demande, voilà, bon sur la disponibilité je veux 100%, hein. Vos concurrents ils m'ont proposé 100%, je veux 100%. Soit concurrents ou même vos équipes de production. Le 100% n'existe pas. On est là justement pour l'adresser. Et comme je vous ai dit, c'est une chaîne et dans la chaîne, il y a l'applicatif. Et souvent, le problème, c'est qu'on se rend compte, statistiquement parlant, ce n'est pas une mise à jour serveur, ce n'est pas un incident réseau qui crée le plus de rupture de service. C'est plutôt l'applicatif ou en tout cas la liaison entre l'applicatif et l'infrastructure, notamment le déploiement, on va venir par la suite, qui crée ces ruptures de service. Et on est là justement pour essayer de répondre à ce problème. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le time to market. Le nombre de fois où dans le web, on me dit, voilà, il est vendredi 18h, il me dit, je suis désolé, il faut que ça passe en prod ce soir. Le client l'attend pour demain. Enfin, avant-hier, mais j'ai négocié pour demain. On est obligé de faire preuve d'une certaine réactivité. Et cette réactivité, mine de rien, elle se prépare. On est souvent uniquement réaction, alors que souvent, pour être mis en proaction, on va voir comment ça peut fonctionner par la suite. La troisième chose, c'est gérer le trafic de Facebook sur un serveur. Quand on demande à un développeur, ou c'est plutôt l'inverse, le développeur demande à l'admin, bon, je peux gérer combien de visiteurs simultanés là sur le compte? Ben, je sais pas, tu fais de la BI, tu affiches des fichiers statiques ou tu as un moteur de recherche derrière. En fonction de l'empreinte que peut avoir l'applicatif sur l'infrastructure, les résultats sont différents. Et souvent, c'est très très difficile pour nous, côté production, côté run, de vous répondre au développeur et de lui donner des éléments d'indication, en tout cas sur des projets qui sont naissants, sur lesquels on a peu de recul. Voilà. Donc, l'objectif, ces trois objectifs qui sont finalement la fiabilité, le time to market et la performance, c'est-à-dire adresser plus de trafic avec moins de serveurs, sont finalement trois objectifs qui peuvent être adressés ensemble pour répondre à ces besoins. Le problème, c'est que pour cela, il faut changer les cultures et faire évoluer les outils. C'est vraiment deux choses sur lesquelles, entre guillemets, les choses changent. Et aujourd'hui, des méthodologies, plus que des méthodologies, des concepts, émergent pour adresser ces problématiques-là. Alors le terme qui buzz beaucoup, qui a été posé par un Belge il y a quelques années, quand je dis quelques années, c'est à peu près 2 ans, c'est le terme de DevOps. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici le terme de DevOps. Oui, ah non, B, personne ne lève la main. Donc c'est la contraction entre développeurs et operationals. Ça part du principe de cassons le mur,
qui sépare les développeurs des administrateurs système. Le développeur ne jette plus son code vers les admins et les admins se débrouillent pour le run. C'est des problématiques qui deviennent communes et on va adresser ensemble ces problématiques-là. Donc le terme DevOps, c'est justement l'association, la fusion, on va dire, entre les deux, entre ces deux univers. La définition, j'ai mis la définition anglaise, moi je me l'ai remis dans les notes, c'est un concept émergent regroupant un ensemble de méthodes et d'outils qui a pour objectif d'améliorer la qualité de service et réduire la dette technique fournie par l'applicatif. La dette technique, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que c'est lié à la performance. L'idéal, quand on fait du DevOps, comme je vous dis, c'est la réunion des deux. Donc, ça veut dire que ceux qui ont levé la main tout à l'heure et qui ont dit « Ouais, je suis dev et aussi admin 6 », il y a aussi des admin 6 qui sont un peu dev, eh bien, ça permet de corriger correctement, d'adresser déjà une première problématique. Mais ça ne veut pas dire « Je touche au code quand l'admin n'est pas, quand le dev n'est pas là, alors que je suis un admin » et vice-versa. Justement, ça passe par une bonne fusion des deux, tout en gardant chacun son rôle. Alors les effets, pour faire un petit peu de pub sur cette méthode, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'améliorer le plaisir à travailler. Sur des projets, entre guillemets, qui sont, on va dire, agiles que des développements et qui ont une bonne fusion entre la partie admin et la partie dev, eh bien ça provoque une sorte d'entrain qui permet de dynamiser un petit peu la problématique projet. Ça améliore aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dette technique, les ressources. Parce que la performance va être un objectif commun qui va être adressé et qui va permettre justement d'adresser ces problématiques-là. Ça améliore la productivité et la créativité des équipes. Il va y avoir de l'échange, il va y avoir des idées, elles seront mises en œuvre ou en tout cas testées ou benchmarkées. Et c'est des choses qui justement, pareil, vont permettre d'améliorer le service et la disponibilité du service. Pour parler à des décideurs, c'est lié à la performance et c'est lié au coût. Quand vous améliorez la performance, vous réduisez les coûts ou vous augmentez la qualité de service. C'est deux choses qui normalement doivent parler à un décideur et qui doivent normalement réduire la facture de l'infrastructure. Ouais, je sais, je suis un hébergeur, je vous dis que je vais me vendre moins de serveurs, mais vaut mieux justement avoir une approche service et qu'on utilise un outil adapté en fonction de vos contraintes que l'inverse. Alors, qui fait du DevOps ? Même si c'est un Belge qui a mis un nom dessus, c'est un principe qui existe depuis fort fort longtemps à l'image du web, dans l'univers du web. Pourquoi ce sont ces acteurs qui ont souvent été les prémices de ces méthodologies ? Parce que, si vous regardez ceci, ce sont tous des gens qui ont normalement une facture d'hébergement qui est bien supérieure à la somme de tous mes clients. Pourquoi ? Parce qu'ils adressent énormément de trafic et en même temps, ils ont besoin d'être très très rapides sur leur marché. La problématique de Google, c'est pas anodin qu'ils se soient positionnés sur de la technologie de data center, c'est quelque part la continuité de « Ah tiens, on va essayer d'améliorer la performance et la dette technique et d'aller jusqu'à faire nos propres machines, nos propres data centers pour réduire cette dette technique. » Et donc finalement, la constitution d'équipes et de concepts autour du DevOps ne sont que la retranscription de ce que font ces équipes-là au sein de leur société. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Alors, c'est un terme qui buzz, qui souvent est associé à tort à uniquement du data center automation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de l'IAS, c'est-à-dire que je remplace mon admin 6 par une simple ligne de code. C'est faux. Je ne suis pas là pour défendre mes emplois. Mais effectivement, c'est une problématique où les gens se disent, le dev a l'impression qu'il peut remplacer très facilement. C'est la virtualisation, le cloud nous invite un peu à cela et se dit, ah mais en fait, je peux faire le code universel de gestion de mon infrastructure pour plus avoir de problème. Ça n'exclut pas l'utilisation d'admin 6. C'est un des outils, parmi d'autres, là j'en ai cité quelques-uns, qui permettent justement d'implémenter cette méthodologie, mais ce n'est pas la méthodologie en tant que telle. Donc si vous voulez être DevOps, souvent il y a des gens qui nous disent ça,
il n'y a pas de how-to. C'est pas je fais l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Elle se fait souvent sur le terrain. La deuxième, c'est pas une job desk. Quand on vous dit oui, je cherche un admin ou un développeur qui fait du DevOps, c'est pas un job desk. C'est plus un état d'esprit qui va nous permettre d'implémenter différents types de méthodes. Alors, justement, sur cet état d'esprit et sur cette culture, il y a le vivez-le pleinement. C'est-à-dire que l'échange entre les équipes est très important. Le partage est aussi très important. Faire une session de brainstorming entre les devs et les admins où personne ne se filtre, et il n'y a pas un côté « Ah non, mais là, ce que tu nous dis, c'est n'importe quoi », est excessivement important. Pourquoi ? Parce que ça va chasser les stéréotypes et ça va permettre d'améliorer la communication entre chacun. Et plus elle est présente en amont, plus elle est efficace. Nous, on a un leitmotiv, c'est de se dire, quand on a un développeur qui nous appelle, quand il y a un développeur qui appelle la production et qui dit « j'ai un problème », ce qu'on s'interdit de dire, c'est de dire « ah non, chez nous, il n'y a pas de problème, ça doit être un problème côté code ». Vraiment, ça, on se l'interdit. Même si tous les voyants sont au vert, la première réponse qu'on fait, c'est « ok, viens, on va voir ensemble ». Mais on se force à le faire. Ça prend du temps, mais c'est la seule façon de se dire « ok, j'ai compris ton problème, j'ai compris ta frustration, je suis là pour t'aider à la remplir ». Et pareil, sur ce diagnostic, apporter un maximum de transparence, on va y revenir dessus par la suite. Donc, ne pas répondre non, et que ce soit dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que l'admin qui remonte un problème et qui dit « tiens, j'ai un petit souci sur la prod, j'ai un ralentissement, t'as pas fait un déploiement ou autre », eh bien, c'est important d'avoir cet échange. Ayez confiance. Essayez d'arranger la vie de votre interlocuteur. Comme je disais tout à l'heure, le dev, une fois que vous l'avez fini, je sais, ça a été dur. Il y a eu la MOA a demandé beaucoup de modifications. La dernière fonctionnalité est rentrée au chausse-pied. Vous ne voulez pas forcément bien tester. On ne l'envoie pas à la prod comme ça. Alors, on est très content quand il y a des tests unitaires, on est très content quand il y a un certain process qualité. Mais quel que soit le process qualité, ça ne veut pas dire que derrière, on est... le problème n'aura pas de le programme n'aura pas de problème en production. Donc pour nous, on essaye justement de se dire que quand un dev cherche à optimiser, à améliorer la performance, c'est un bon indicateur parce que c'est quelqu'un qui se dit « Ah tiens, je vais essayer d'améliorer le quotidien de l'Ops. » Il n'est pas là pour se réveiller la nuit parce que j'ai eu un problème de code. Et pareil, quand votre admin vous dit non, s'il vous dit non, parce que ça peut arriver, par exemple, vous lui demandez de mettre la dernière version de PHP qui est sortie hier soir, il y a une raison. Il a besoin d'organiser ses priorités et de valider ces éléments-là dans son environnement avant de le déployer pour votre environnement. Donc là où auparavant, on avait d'un côté des équipes de dev, un peu le mode de développement en tunnel, en V, où on avait d'un côté les devs qui balançaient les outils, enfin les programmes en production. En fait, les équipes de DevOps au sein de Twitter, de Google, de Facebook sont un mélange de développeurs et d'operationals qui adressent chacun des problématiques. C'est-à-dire très en amont sur des projets, vous lancez un projet, dans l'équipe, il y a des ops. Il y a un Barracuda qui connaît bien Redis et qui est capable de vous dire « Ouais, go, tu peux y aller, c'est bien fait pour le type de données dont tu as besoin. Donne-moi à peu près le volume de ton dataset. Je te dirai si oui ou non, ça a du sens sur du Redis. Si oui ou non, ça a du sens sur de l'infra virtualisé, sur de l'infra physique. Quelles sont les performances que tu peux attendre ?» À l'inverse, vous, sur les nouvelles méthodes d'implémentation, par exemple, vous dites tiens, je veux faire de la recherche full-text, j'ai besoin d'utiliser un Solar, eh bien, c'est une indication pour l'admin 6 qui sait que d'ici 2 à 3 mois, il doit s'attendre, selon votre cycle, à avoir un comportement différent sur l'infrastructure et donc une empreinte différente. La vraie différence, c'est que finalement, vous allez aligner vos KPI. C'est-à-dire, les objectifs vont être uniques entre les deux équipes. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on se donne
une mesure, une métrique par le haut, sur lequel on va venir s'aligner et les objectifs seront communs. C'est-à-dire le temps de réponse d'une page d'accueil, un élément qui est tout à fait standard, qui est une métrique qui sert à la fois aux devs et à la fois aux admins, c'est déjà un premier pas pour implémenter le DevOps et se poser les questions sur toute la chaîne, sur quels sont les éléments qu'on peut optimiser. Donc partager ces métriques est vraiment quelque chose qui permet de conduire l'esprit de l'optimisation. Gérer ensemble le fail. Le 100% n'existe pas. L'admin le sait, ça c'est sûr. Le dev, des fois, il se dit « Non, attends, s'il y a une rupture, c'est que vraiment vous êtes nuls, les gars. » Et justement, quand il y a une avarie, c'est important d'avoir une équipe unie et soudée. On n'est pas là au moment où il y a le problème pour trouver un fautif et se défausser par rapport à la direction. Non, on est là pour justement adresser la problématique ensemble et ne pas forcément y répondre en essayant de se dédouaner, mais plutôt en essayant de rétablir le service. Je sais, ça paraît évident et c'est enfoncer une porte, mais c'est franchement, nous on le voit, des clients ou des devs hyper stressés parce qu'il y a une rupture de service et que le patron lui met un shotgun sur la tête et qui lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Et là, dans la panique, le dev il dit non, mais c'est la faute de l'hébergeur. Et là, on se dit bon, ok, on détruit un petit peu la relation qu'il y a entre chacun. Donc, l'ops qui sait que l'admin qui sait qu'il va y avoir des ruptures de service est là pour rassurer le dev et essayer d'adresser la problématique ensemble. J'ai oublié de le dire à la slide précédente, quand on dit on partage nos KPI, j'ai dit voilà, il y a de l'admin, il y a le dev, mais ça peut être aussi d'autres entités. C'est-à-dire que souvent, il y a des métriques. Dans le e-commerce, par exemple, on rajoute une métrique qui est propre, par exemple, au nombre de commandes jour ou au nombre de visiteurs chez un média. Pourquoi ? Parce que toute variation qui est en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, finalement, est sujet à alerting, est sujet à incident, et donc doit être interprété comme tel. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est quand vous avez des métriques business, et que vous partagez vos métriques techniques avec le business, les incidents, il les comprend mieux. Il y a un effet de transparence et il est sensible à finalement les objectifs que l'équipe d'en dessous essaye d'adresser. L'autre chose aussi, quand on a une rupture de service, c'est de soigner la cause plutôt que la conséquence. Là aussi, c'est encore bateau, mais comme je vous ai dit, quand on voit un dev qui a le souci de préserver son ops en se disant « je vais corriger le code pour pas qu'il se réveille tous les soirs à 2h du matin » parce que mon batch qui fait le réassort dans la base de données part dans le mur parce que je fais 17 jointures et ça crée des tables temporaires de 5 milliards d'entrées et que le serveur de 32 mégas a du mal à gérer, c'est important. Donc voilà. C'est important au moins de dire que vous essayez de le résoudre. Ça ne veut pas dire forcément de le résoudre, mais de se dire « ok ». Nous, en dessous, on se dit, OK, ben là-haut, ils sont en train d'essayer de le résoudre. On tient bon, combler le manque sur un petit temps. Mais en même temps, on sait que c'est pour du mieux plus tard. Ensuite, et là, on va attaquer l'outillage, c'est de chasser les frustrations. Souvent, on se rend compte que la plupart dans la plupart des projets, il y a beaucoup de choses qu'on fait manuellement qu'on pourrait faire automatiquement. Et souvent, le problème, c'est que pour faire tout ça automatiquement, il faut lancer certains chantiers. Ces chantiers sont nécessaires, c'est important de les lancer de façon à se dégager des petits tracas qui sont permanents sur un projet au quotidien. Donc, la première chose, c'est de s'outiller. Alors, j'ai mis IAS, c'est pas tout à fait vrai. L'objectif, c'est pouvoir faire son make world. Le make world, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez disposer à tout moment de l'infrastructure nécessaire pour les devs pour qu'ils puissent correctement faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir leur environnement de qualification, ils puissent avoir leur environnement de développement sur lequel ils sont sereins et qu'ils puissent le faire sans avoir besoin de l'admin pour le faire au quotidien. C'est un point qui est important parce que si vous le sollicitez souvent sur des choses peu importantes,
eh bien, il y aura moins de réactivité sur les choses importantes. Et donc, c'est important qu'il y ait une certaine abstraction qui soit faite sur l'infrastructure et que le développeur ait tous les outils qui soient nécessaires pour disposer de son environnement. Utiliser des outils de versionning. Alors là, j'imagine que vous les utilisez tous, mais l'objectif c'est de les partager. Donner la visibilité sur l'activité du code, ou en tout cas sa vitesse ou sa mise à jour à un admin, c'est lui donner de la visibilité sur votre activité et de voir à peu près quel est votre niveau d'ébullition. S'il y a peu d'activité, il saura que l'appli changera peu et qu'on aura peu de changements sur l'empreinte technique. De l'autre côté, si vous avez beaucoup de commits, s'il y a beaucoup de releases qui sont faites, c'est une façon pour lui de voir, ah tiens, on a de l'activité, il y a beaucoup de changements qui sont faits, et des fois il y a des mises à jour de soubassement qui ne changent pas d'un point de vue fonctionnel qui sont faites, et qui peuvent avoir un impact sur la prod. Et donc partager l'outil de versionning est un point vraiment important. Pareil, quand il y a des bugs, ça permet de savoir, ah tiens, on a eu un problème à telle date, on voit, ça correspond à telle release. Avant, on n'avait pas ce problème, on n'avait pas cette empreinte, et donc ça permet de faire une bonne relation entre ce que la prod remonte, murmure à l'oreille des admins, et la corrélation par rapport à la version applicative que vous gérez. Autre élément, le déploiement automatisé. Alors ça, c'est, je vais y revenir dessus par la suite, mais prendre le contenu de votre SVN et le déployer très facilement en one step, c'est vraiment un one step, il ne faut pas qu'il y ait d'opération autre qu'humaine, de je lance la commande, ça prend la release et ça met en calif, en recette, ou en pré-prod et en prod. Et ce que vous ayez un ou 17 serveurs. Il faut vraiment que le time to market de déploiement de votre applicatif soit excessivement court. La raison est bien simple. Si c'est simple pour le dev de le qualifier, de le déployer, de le qualifier et de le déployer sur la prod, vous allez avoir des releases qui seront plus fréquentes. Donc moins d'effets tunnels. Donc moins d'effets, on perd tous nos repères dès qu'on a une grosse mise à jour. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Pareil sur le rollback. Il faut que le rollback soit facile. Il faut que vous disiez, si je casse la prod, je peux revenir en arrière instantanément. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Sur les outils qui sont mis à disposition là-dessus, mon outil de versionning, je ne les cite pas, mais que ce soit du déploiement, que vous utilisiez du Capistrano, que vous utilisiez des shell scripts, du RPN, n'importe quoi, même un mec, c'est avoir le process de j'ai un déploiement automatisé qui finalement permet de fluidifier et de sécuriser mon SaaS de déploiement, voire même de le documenter. C'est-à-dire que ça permet au moins d'avoir une documentation sur comment déployer l'applicatif. Et ça va fluidifier énormément le process de développement. Alors pourquoi le faire? Parce qu'en fait, on se rend compte, c'est ce que je disais, que c'est vraiment la liaison entre l'univers du dev et l'univers de l'admin. Déployer, le moment du déploiement, c'est finalement celui où il y a le plus de friction. C'est là où on a le plus d'avaries, c'est là où on passe le plus de temps, c'est là où vous demandez une forte réactivité de votre part auprès des admins. C'est aussi une partie où on prend énormément de risques parce que le changement provoque l'instabilité, donc risque de plantage. Et c'est là aussi où vous passez le plus de temps. Donc ça ne peut être que bénéfique. S'il y a vraiment un chantier sur lequel il y a un maximum de ROI, c'est vraiment celui-ci, si vous avez les précédents qui sont là. Voilà, donc ça c'est un point important. Ensuite, le contrôle et la mesure. J'ai parlé tout à l'heure de KPI. Là-dessus, j'ai envie de dire que l'Ops est le client de l'application. C'est lui qui reçoit le développement et qui va l'intégrer au sein de son infrastructure. Il y a une anecdote que j'adore chez Facebook parce que elle est vraie et elle est vraiment symptomatique de la différence de pensée. C'est les process, c'est un peu du nightly build, c'est de l'intégration continue. Et donc, automatiquement, les développeurs peuvent se dire « Ok, j'ai bien travaillé sur mon module supplémentaire, je le déploie. » Et quand vous le déployez, vous l'inscrivez à déploiement à 15h, vous savez qu'à 2h du matin, le développeur de Facebook sait qu'à 2h du matin, ça va passer
sur la côte ouest. Puis après, ils font un déploiement progressif. Puis 24 heures plus tard, c'est sur les États-Unis, puis de plus en plus large. Et donc, il sait que les ops seront ses clients pendant cette période-là de qualification. Et les développeurs chez Facebook ont l'obligation d'être dispo sur l'IRC du déploiement, enfin de l'équipe des ops, lorsqu'il fait une release. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a une instabilité, c'est sa faute, par défaut, entre guillemets, c'est comme ça que Facebook, je ne devrais pas utiliser ce langage, mais dans le principe, il fournisse un support de son applicatif auprès des admins. Pourquoi ? Parce que l'admin, il est là pour s'assurer que tous les voyants sont au vert, et si vous venez mettre votre grain de sable, ils vont vous aider à le nettoyer, mais il faut que vous soyez disponible pour aider à l'identifier et à le corriger. Et ça, c'est vraiment symptomatique de se dire, ok, finalement, l'Ops est client de l'application, et c'est à moi de lui fournir une application et un support qui permet de résoudre le problème une fois que je déploie en production. Qu'est-ce que j'ai mis ? Excusez-moi. Ah oui, la transparence. Si pour les admins qui sont là, nous, on essaie de donner un maximum de métriques. C'est-à-dire comme je vous dis, on donne les graphes. Mais ça peut être donner les accès à l'infrastructure. C'est-à-dire même un SSH, ne serait-ce que de lecture, je ne demande pas de route, je ne demande pas de privilèges, mais permet au dev d'aller voir lui-même et aller voir d'autres métriques qui ne sont pas celles qui sont balisées, permet d'avoir un certain phénomène de transparence qui évite d'avoir un mur entre vous et nous, et un admin qui montre comment sa plateforme est faite, c'est aussi un ingrédient pour améliorer la confiance. Alors l'objectif de ces éléments-là et du contrôle, comme je disais tout à l'heure, c'est d'améliorer la dette technique. Ce qu'on adore voir, c'est ça. C'est-à-dire que quand un dev et un admin fonctionnent bien ensemble, eh bien, ils vont adresser la problématique correctement. Quand vous avez un problème de performance, la réponse, elle n'est pas à 100% dans l'infra, il faut multiplier par 10 les serveurs. Elle n'est pas à 100% dans le dev, il faut tout recoder from scratch. Sur chaque partie, il faut définir où se trouve le curseur. Et il y a des fois, on se dit, ah tiens, là, j'ai senti un petit quelque chose au niveau du curseur. Bah, le petit quelque chose, il a fait quoi ? Il a divisé par 200 la ressource consommée. C'est comme si on avait rajouté 200 serveurs quelque part. Et donc cet écosystème sain et équilibré qu'on essaye d'atteindre ensemble est quelque chose de très important. Parce que vous, vous serez content parce que ça tourne, vous pouvez déployer facilement, et l'admin est content parce que ça tourne et il n'a pas besoin d'intervenir. L'admin est paresseux, je vous le rappelle, ils font rien. Donc c'est important qu'il soit dans cet univers. Alors, avec qui, pour qui ? Comme je disais, la transparence, je parlais de l'accès au shell, mais finalement, sur tous les outils, c'est important de se dire, ok, c'est le périmètre de chacun, il y en a qui l'alimentent, il y en a d'autres qui le lisent, et le partage sur ces éléments-là, de tous les protagonistes du projet, permettent finalement, ne font pas trop de bruit. Ça fait, je n'ai jamais vu un cas où ça faisait trop de bruit. Ça permet juste d'aligner les objectifs et de les comprendre. Et de se dire, ok, quand je vois les progrès énormes qui sont faits quand un développeur comprend ce que les métriques du monitoring veulent dire, j'ai que des exemples dans ce cas-là. Le déploiement sur le Capistrano, donner des outils pour déployer automatiquement, c'est pareil, le ROI du développeur est vraiment important. Voilà. Alors attention au travers, dans le DevOps tout à l'heure je vous disais attention, c'est un mouvement c'est une méthodo, il y en a certains qui le réduisent au data center automation, il y en a qui considèrent que, tout à l'heure je vous ai dit, un admin qui gère du value frame, c'est différent du web, qui est différent du web à fort trafic, il n'y a pas, ça doit rester un mouvement positif, c'est pas une guerre de il y a tel techno versus tel techno, c'est juste de se dire, à mon niveau de maturité, là où je me trouve aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire la dette. Donc, il n'y a pas d'effet de valeur de le DevOps meilleur que le WebOps, meilleur que le SysAdmin. C'est vraiment, vraiment un état d'esprit. Voilà. Alors, si vous disiez, tiens, les premiers pas pour faire du DevOps, qu'est-ce que je ferais ? Bah, le développeur, la première étape, ce serait vraiment de mettre les gens du métier,
et votre hébergeur dans votre Basecamp ou dans votre outil de gestion de projet et de partage d'informations. C'est un détail, c'est la première étape, mais rien qu'en le faisant, l'expliquant et les faisant participer sur des jalons importants ou sur lesquels des fois les développeurs sont en huis clos, est déjà la première étape pour implémenter le DevOps. La deuxième, si vous êtes admin 6, sondez par le haut. Donc, plutôt que de vous dire « mes machines doivent tourner », dites-vous « le service doit tourner ». À partir du moment où vous intervenez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une contrainte d'intervenir en moins d'une heure avec le service par le haut, pour garantir ça et que vous interveniez le moins souvent possible, il faut dépiler tout ce qui est en dessous et mettre en place les méthodologies pour les aider à adresser ces problématiques qu'ils ne pourront pas résoudre tout seuls. Vous ne pouvez pas laisser le développeur tout seul répondre à cette problématique. Voilà, je suis un tout petit peu en avance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors juste, il faut que je le dise, j'ai choisi celui-là, PHP, améliorer la performance de vos applications. Je trouvais que c'était tout à fait adapté à l'univers. C'est celui qui pose la meilleure question, il paraît. À partir du moment où on a un système de rollback, enfin où on a tout un système pour pouvoir déployer en production facilement, on est quand même un petit peu tenté de, on fait une mise en prod, s'il y a un souci, on fait un rollback, de dire au développeur, reanalyse un petit peu ton application sur la plateforme de qualification et reviens me voir une fois que ça fonctionne. Donc, tu vois, les outils, c'est bien, sauf que dans la vision DevOps, le fait de partager toute cette base de connaissances, ouais, mais les outils permettent aussi de moins partager, d'avoir un fonctionnement un peu plus binaire. Alors, les outils log. Le dev qui dit, ça fonctionnait très bien avant, ça fonctionne plus, qu'est-ce que vous avez fait ? Là, quand on voit le graphe inverse de ce que j'ai montré tout à l'heure et qu'on voit qu'il y a eu une release qui a été faite, ça a été déployé à telle heure et qu'on a le comportement qui change radicalement, on ne peut pas mentir, quoi. En fait, on est dans les faits, dans l'interprétation des faits sur lesquels on a une base commune de référence. Donc, on ne peut pas se mentir l'un l'autre. C'est pour ça que c'est très important, la transparence. Il vaut mieux donner accès au code parce qu'il aura plus confiance. Et donc, quand on fait les retours, ce sont des retours factuels. On ne sait pas. C'est pas de l'interpréter. Enfin, si, c'est de l'interpréter. Il y a de l'analyse, mais de l'analyse sur des faits. Et donc, l'outillage aura plutôt tendance à corriger ce problème-là, plutôt que de le cacher. Ouais, mon point, c'était plutôt de dire, si on pousse l'idée à fond, avec les bons outils, le partage de connaissances entre développeurs et opérationnels, finalement, est moins nécessaire. Alors, en fait, il est nécessaire soit pour de la consultation, voire il est nécessaire sur de l'événement anodin. Les gens de chez Flickr, par exemple, ils ont un IRC général sur lequel il y a tous les techs qui sont dessus. Ils ont accès à toute la doc, tous les logs et autres. Et sur l'IRC, en fait, est connecté le robot de surveillance. Ils sont en train de se parler, puis d'un coup, il y a Deploy. Donc, il y a le robot qui a annoncé Deploy. Puis discute, tu fais alerte. Donc finalement, ne remonte comme information et pour tout le monde que ce qui est critique et les jalons qui sont importants. Le travers qu'on peut avoir, c'est quand on donne une certaine autonomie, par exemple, aux développeurs en leur disant tu peux automatiser tout seul, c'est qu'on ne les voit plus jamais. Ils déploient, ils font 6 à 7 fois par jour, on ne les voit plus. En revanche, de temps en temps, sur certains jalons, par exemple, on se dit le modèle de données. S'il veut faire des alters ou s'il veut changer des choses propres au modèle de données, c'est un jalon suffisamment important pour qu'il nécessite de repasser en mode manuel et qu'il mette les admins dans la boucle. Et donc, le jalon étant important, l'impact étant important, il faut repasser en mode projet, quelque part, et le surveiller ensemble et faire la A-team à l'agence touriste pour se dire est-ce que cette implémentation est correcte ou incorrecte, ou même si elle n'est que déclarée, ça permet aux admins de se dire je vais surveiller les métriques en fonction du comportement, du nouveau comportement. J'ai répondu à ta question ? Plus ou moins. Il y a une autre au front. Oh,
On a vu dans ta présentation le DevOps s'appliquer vraiment à une équipe type web, etc. Est-ce que tu as éventuellement des retours d'expérience ou des manières dont on peut transposer ce type d'organisation sur un contexte un peu différent avec une équipe de dev et un produit déployé et exploité chez plusieurs clients avec donc des équipes d'exploitation différentes qui ne se connaissent pas forcément, mais une seule équipe de dev qui doit un petit peu collecter tout ça et avoir le feedback et comment du coup travailler ensemble dans ce contexte-là? Alors, sur le... Attends deux secondes. Oui, on a le cas. Notamment sur lequel... Alors, c'est peut-être inverse à ce que vous demandez, où on a finalement la même infrastructure avec X projets. En fait, c'est juste gérer une relation 1 à X... soit un dev X admin ou X admin un admin version X dev, c'est de finalement de garder cette granularité de gestion de projet par projet, dans le sens où je parlais d'un basecamp tout à l'heure, c'est un basecamp par projet qui permet finalement d'avoir une communication one to all, en tout cas multicast des développeurs vers les admins, de façon à garder un contexte qui est présent pour chacun. Nous, on s'est rendu compte que les méthodes restent les mêmes, mais qu'en fonction du degré de maturité du projet ou des admins, les réponses ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas avoir un outil global pour tout le monde, on est obligé d'avoir une vitesse propre à chacun, et donc d'avoir une instance propre à chacun. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, si, c'est bon. Pas d'autres questions? Merci. Ouais, merci, qui le veut? C'est à toi de décider. Pas une question supplémentaire? Allez. Comme je connais Amaury, on va croire que je fais de la BS. Merci.